Le week-end à la pêche est déjà fini. Je vais refermer les deux dernières armoires. Hop. Normalement, on a tout rangé dans la caravane. C'est nickel. Patrick va pouvoir y aller. Je vais pouvoir le suivre en camion. On a passé un beau week-end, là, tranquillement. Ça, on a un peu fait les cons. On a pêché. Il est où, Patrick? Qu'est-ce que tu fais, Patrick? Je regardais la pression des pneus. Tu l'as, mais il me on l'a peu... vérifié avant de partir, hein, t'inquiète. Hein, ouais, il me paraît un peu léger quand même. Ah ouais? Ah ouais, t'as raison, ouais. Faudra peut-être vérifier ça en rentrant, tu vois. Ouais, bah on verra ça. Hein. Ouais, bon, le week-end à la pêche était sympa en tout cas. C'est bien amusé. Ouais, enfin, sympa pour toi peut-être. Bah non, c'est bien amusé. Attends, on a pris les buggies, on a fait un peu les cons. Ouais. Bah y'a que ça qui t'intéresse. Tu peux me rappeler le but d'un voyage à la pêche? Bah on a pêché des poissons, regarde, t'es là. Oui, tu as. Bah oui, d'accord. Génial. Bon, allez, on y va, je passe devant, tu me suis. Oui. Vas-y, Patrick. Oh, Patrick il prend envie de la mouche, hein, c'est ça son problème. Mais doucement, il va m'envoyer la caravane en l'air lui. Bon allez, je vais le suivre en camion. Hop. Bon après c'est vrai que bah il dit ça parce qu'il est il est mauvais, mais il a fait le con avec moi aussi, hein. Il est allé en buggy, on est allé un peu dans les bois quand on avait fini la journée de pêche. Bon c'est vrai qu'on n'a pas chopé beaucoup de poissons. J'avoue qu'on en a chopé quoi 4-5. Mais bon ça fait Allez, on a passé un bon week-end, c'est le principal, hein. C'est bon moment, on a bien couru, on s'est bien marré. Y'a pas à dire, c'était vraiment super. Faut pas qu'il aille trop vite parce que moi je vais bien, mais lui il a quand même une voiture. Moi j'ai un camtar et j'ai du poids à l'arrière. Bon, tu me diras, lui aussi il a quand même une caravane. Mais par où il nous a emmené, Patrick? Par où il nous a emmené? Mais d'habitude, c'est pas par là qu'on va. C'est vrai que je connais pas trop les lieux. Moi il a mis le GPS, mais je sais pas c'est quoi encore son GPS, mais il a pas l'air d'indiquer le bon endroit. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, je vais lui klaxonner un coup. Hein. Ah bah c'est bon, il a enfin compris. C'est vrai que le klaxon est pas très fort sur ce camion. Qu'est-ce qu'il y a? Bah Patrick, tu vois bien que... c'est quoi ces chemins là? C'est pas par là, c'est pas possible. Bah si, regarde le GPS, viens voir. Ouais, c'est ça, n'importe quoi, qu'est-ce que tu me racontes encore? Bah regarde. Mais non, il t'avait fait tourner avant, c'est parce que regarde, il t'a mis une rallonge, on rejoint la route là-bas plus loin. Ah ouais, tu t'es encore trompé de route, ça c'est le GPS qu'il faut regarder non, par non, le non, téléphone. J'ai regardé le GPS. Hein. Ouais, tu regardes TikTok, c'est ça, ouais. Ah mais après j'avais mis le chemin le plus court. Ah ouais, c'est sympa, en tout cas ça a l'air d'être bien plus court avec nos bolides derrière là. C'est super. Bon allez, avance, je te suis. Normalement on devrait retomber attends, sur la route. Attends, c'est quoi hein. Là-bas hein. J'ai non, pas rien, moi, j'ai je sais pas, qu'est-ce qu'il y a. Non, il me semble avoir vu des véhicules là-bas, mais... Je sais pas, bah vas-y, viens, on passe à côté. Qu'est-ce qu'il me raconte avec ces véhicules? Oh là là là, on va jamais s'en sortir. Allez, je vais le suivre. Normalement, si j'ai bien vu sur son GPS, on devrait pouvoir récupérer la route un peu plus loin. Qu'est-ce que... Ouais, j'avoue, c'est quoi ce bordel ici, là? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Mais what? Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a des tanks? Oh, 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 oh. Ouais, y'a des tanks, Patrick, t'as vu? Des tanks. Par contre, c'est normal qu'ils soient empilés comme ça? Bah non, bah à mon avis, ça doit être abandonné, t'as vu l'état des lieux. Elle est où l'entrée? T'as vu une entrée, toi? Bah y'avait une entrée là-bas. Où ça? Bah là, tu continues et au croisement à droite. Au croisement à droite. Ah oui, c'est une sacrée entrée, ça dit donc, Patrick. Au croisement, est-ce qu'ici c'est un croisement? Elle est où? Tu vois bien que là, c'est clôturé, là? Là, y'a une clôture, là? Attends, on continue. Oh là 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 là. Fais attention, il y a des ronces. Toi, pour te repérer dans l'espace, c'est pas trop ton fort. Oui, allez. Et je te l'avais dit au croisement. Ouais, ouais, au croisement, ça fait 3 quarts d'heure qu'on marche, c'est marrant, toi. Oh, mais le croisement, hein. Ah, ben voilà, c'est marqué stop, veuillez entrer. Ah non, c'est pas marqué veuillez entrer. C'est marqué personnel non autorisé seulement. Ah, ben c'est parfait pour nous. Allez, on tente. Wow, y'a quelqu'un! Attends, Patrick, tu sais te faufiler entre les barreaux? Ouais, ça passe, hein, là. Après, je sais que t'as pris du poids en ce moment. T'as pas éteint ton camion, toi? Ah oui, merde. Bon, bah, c'est pas donc grave. T'as laissé les clés dessus. Mais oui, mais de toute façon, on va pas s'éterniser ici. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute? Putain, mais. Ah, what? Mais y'a combien de véhicules ici, frérot? Mais attends, c'est... Ça a vraiment servi, hein. Regarde, y'a des tentes, Patrick. La prochaine fois, au lieu de faire de la pêche, on pourra venir camper ici. Ah oui? C'est sympa. J'ai envie, hein, quand même de camper. Hein. Bah oui, pourquoi? Eh, tu penses ça se revend cher des chars ou pas? Ça a l'air d'être abandonné depuis des années. Bah non, regarde, y'a du matériel qui est... Ah ouais, alors, t'as vu, c'est tout rouillé. Tu penses que ça fonctionne encore, toi? Bah regarde, le sac est neuf, il vient d'être posé. Oui, oui, il vient d'être posé, ouais, ouais, ouais. Ouais, comme les chars, ils viennent d'être posés. Hein. Regarde, y'a des attends, arbres. Viens voir ici. Y'a des... Toi? Oui, y'a un bateau. Bah, what? Bah, what? Mais y'a un cours d'eau à côté ou quoi? Tu me fais la courte échelle? Ouais, vas-y. Du haut. C'est bon, viens, vas-y, attends, prends maintenant. Ouais. Hop. Vas-y. Merci Patrick. Ah ouais. Non mais attends, il y a un cours d'eau à côté ou quoi? La prochaine fois on va plus à la pêche, on va à la pêche avec ce bateau, hein. On devrait pouvoir rattraper plus de poissons. Tu veux le bouger? Eh ben mais c'est pas à nous ici. Ah non, c'est pas à nous, mais bon, c'est ça. Mais je te dis, tu penses on revend ça combien? 3 millions d'euros ou pas?
Et on va surtout pas le revendre. Mais si, hein, Patrick. Mais regarde. Qui voudra acheter regarde ça. Regarde. En plus, hé, Patrick, il y a des porte-chars. Regarde, ce qui veut dire que là, je dételle la remorque que j'ai, on la planque dans un des bois, on prend un porte-char, on met des tanks dessus, on se barre avec, on revient, on reprend l'autre remorque et on repart à la on maison. On prend un hélicoptère, on prend tout ça. Mais non, pas un hélicoptère, on prend 2-3 tanks, ils verront pas la diff. Et ça, pourquoi c'est empilé les uns sur les autres, je comprends pas. Mais, oh, elle était si lourde que ça au début. Allez. Ah, c'est bon. Ah, c'est pas trop tôt. Mais bon, t'as mis de m'aider, hein. T'as mis toutes tes forces. Vraiment inutile. Vas-y, viens, je vais aide-moi à dételer alors. Et t'en penses quoi de mon idée? Tiens, avec les chars. Hein? Donc toi, tu croises quelque chose comme ça, on va directement les prendre. Mais Patrick, ça peut nous rapporter des millions. Allez, vas-y. Attends, je vais planquer ma remorque là, mais de toute façon, y'a personne qui passe ici, ça. Eh, je vais te dire un truc, hein, c'est à cause de ton GPS, hein. Sinon, on n'en serait pas là. Voilà, il va même pas m'aider à dételer, hein. Bien sûr, je vais encore tout faire tout seul. Voilà. Allez, hop, go. Lui, il va se garer là. Eh, trouve une place pas dans les arbres, hein. Non, mais attends. Voilà. Oh, par contre, j'espère que je peux passer. Oula. Ah, faudra pas monter trop, hein, parce que je pourrais pas passer avec grand chose, moi. Ok. Patrick, tu viens? Qu'est-ce qu'il me fait encore? Oui, je suis là. Vas-y, je vais. Attelle-moi le char là, je vais essayer de tirer. Et tu vois, mais c'est abandonné depuis 2500 ans ici. Eh Patrick, c'est des chars de l'armée, hein. C'est pas des chars en jouet, hein, en Playmobil. C'est un peu haut quand même. Bah fais un effort, hein. Appuie, vas-y. Hein, t'as de la force. C'est bon? C'est bon. Oula. Mais pour. Attends, t'as vu, il y a un porte-char, un autre char. Enfin, un autre porte-char et un autre tank. Déjà d'avancer au lieu de parler. Bah, Patrick, je t'emmerde. C'est encore moi qui ai eu l'idée. Oui, la mauvaise idée. Regarde, tout va allez, bien. Allez, moi, j'y vais. Hein. Non. Oh, mais comment. Eh, attends, comment. Bien sûr, bonne chance pour passer par la porte. Hein. Eh, mais comment. Non, mais il faut qu'on descende un char. Attends. Comment on peut faire pour descendre le deuxième char? Qu'est-ce que j'allais dire? Attends, avec un canon d'un char, on peut peut-être essayer de péter la remorque à l'arrière pour avoir plus qu'une remorque. Allez, fais-le, je te regarde. Pourquoi? Putain, mais tu veux pas te mouiller d'habitude? C'est toujours toi qui es dans toutes les conneries. Et aujourd'hui, ah comme oui, par oui, hasard. D'accord, c'est tout le temps de ma faute. Allez. Ouais, mais attends, mais t'es marrant, viens m'aider. Mais je sais même pas quel tank démarre encore, tu crois? Ah, celui-là. Hein. Ah, mais celui-là, t'as le canon, il est pas assez haut. Celui-là, il est déjà plus haut. Mais le canon, il est tout petit. Ah oui, c'est vrai. Non, mais quelle intelligence, c'est incroyable. Attends, hein. Je sais ce que je veux faire, Patrick. En fait, je. Non, ne fais rien. Eh, t'as vu, il démarre encore, hein, et au quart de tour, gros. Mais what? Non, viens, non, prends mais pas regarde, celui-là. Regarde, je suis dans un tank, Patrick, prends une photo. Mais prends pas celui-là, prends l'autre. Et pourquoi? Ah, regarde le canon, tu pourras le lever beaucoup plus haut. Ah, d'accord. Et Patrick, prends une photo de ça, hein. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir ça. Hein. Allez, mets-toi au-dessus, je prends une photo. Vas-y. Donne peut-être ton téléphone avant. Ah oui, viens, Patrick. Non, et mets-toi au-dessus, pas dedans, sinon comment on pourra te voir? Eh ben, Patrick, les commandes sont en bas, hein. Oui, mais si tu veux que je prenne une photo. Oh, allez, je me mets au-dessus. Et c'est toi qui voulais une photo, quand même. T'as vu, il démarre, hein. Allez, retourne-toi, souris. Ah merde. Cheese. C'est bon. Tiens. Regarde. C'est un réacteur. Ah oui, d'accord. Ah bah attends. Hop là. Alors ça, normalement, je vais pouvoir le pousser. Hein. Oh là là. Et tous les tanks démarrent au quart de tour. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un mec qui vient les allumer, quoi. C'est peut-être le cas. Hein. Mais non. En espérant qu'il est pas là. Bah, comme s'il était là, allez. Il nous aurait déjà vu. Hein. T'as vu le boucan qu'on fait. Ah, comment tu veux que ça, c'est sûr ça que ça t'en fait du bruit. Eh, tu vois, ça passe. Hein. Je sens un truc, c'est qu'il y a moyen, Patrick. T'as vu, Patrick? J'y suis, hein. Par contre, faut que je fasse. Eh, hey, la bagnole derrière, on va la péter, hein, mon pote. Bah. Fais quoi? Wow. Oh, tu fais quoi? Attends, faut le virer, hein. Coûte que coûte. Oh! Encore? Oh là, c'est pas grave pour la bagnole derrière. Hein. Recule. Ouais, c'est bon. Recule avec. Non, mais recule là, avec. Plus, je suis sur une voiture, Patrick. Oh là, moi je bouge plus à rien parce qu'après, je vais me péter la tronche. Hop. Vas-y, même, hein. C'est bon, nickel ça. Voilà. Tu peux replier les rampes. Voilà. Ah bah, bon, tu peux replier les. Bah, bonjour. Ah, bah bonjour, vous êtes qui? Bah le propriétaire des lieux. Ah. Et vous? Nous aussi, ça tombe bien, enchanté. Moi c'est William. Ouais, bien sûr, ouais. Et vous? Moi? Oui, bah vous, non, le pape. Ah, je suis monsieur Patrick. Voilà, c'est Patrick. D'accord. Et je peux savoir ce que vous faites dans ma propriété? Bah, on est bah du coup, la personne qui est juste à côté de moi... Bah vas-y toi, bah ouais. T'as raison. Bah en fait, on pensait que c'était abandonné, monsieur. D'accord, et donc là c'est un peu le bordel là en fait, vous avez fait quoi là? Ah bah en fait on a voulu... Alors venez voir, voilà. Je vais vous expliquer on a, ce qui en s'est fait, passé. En fait on a essayé d'enlever le un monsieur, plateau.
Le monsieur ici présent, du coup, a voulu prendre le tank, du coup, juste celui-là, si. Et avec le canon, pouvoir pousser ce qui était sur, du coup, la remorque qui est juste à côté. Et voilà. Retirer ce qui était au-dessus pour qu'on puisse passer par la porte. Parce que c'était beaucoup trop haut. Comme ça, on a un porte-char tout propre. Oui. Mais le problème, c'est qu'il est à moi, il est pas à vous. Non, mais ça, c'est. Bah, vous faites quoi avec ça? Attends, vous rigolez ou quoi? C'est abandonné depuis 3000 ans ici. Non, non, c'est pas abandonné. C'est mon lieu de. Là où je travaille, là où je fais collection de mes DVD. Ouais, collection, collection. Tu parles, toi, d'une collection. Bah, on est désolé, monsieur. Bah, tu parles d'une collection, c'est quand même une belle collection. On peut peut-être trouver un arrangement. Hein. Bah, pour l'instant, l'arrangement. Par exemple, l'arrangement qu'on peut trouver ici, j'ai une idée. C'est on prend tous les tanks et tout ce qui se situe ici, et vous, on vous laisse partir. Voilà. Bah, non. Bah, un non. Bon arrangement. Bah, non. Ça. Bah, si, non. C'est un très bon arrangement. T'en penses quoi, bah... Ouais, moi aussi, je pense que c'est un bon arrangement. Ok, bon, je pense qu'on va faire ça. On signe le papier. Bah, par contre, ce que je peux faire aussi, c'est je vous fous à la porte, et comme le camion est chez moi, ça peut rester chez moi. Non, non, non. Il n'est pas moi, donc fais ce que vous voulez. Bon, du coup, qu'est-ce qui vous intéresse, du coup, comme véhicule? Bah tout. Non, Patrick. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, Patrick? Moi? Oui. Alors, principalement, on va faire la liste. Donc, celui qui est juste là. Ah, mais il va pas faire la liste de tout, quand même. Donc, celui-là, je pense qu'il irait vraiment très très bien dans mon jardin. Parce que souvent, il y a des oiseaux qui sont dans mon jardin, et du coup, j'en ai marre, et je me dis qu'avec ça... Oh, l'écoutez pas, c'est bon. Pas. Vous les vendez combien? Rien que le char ici, là. Ouais. Déjà, celui-là, il vaut au moins 5 millions. Quoi? Si vous voulez, je crois que j'ai 12,50€ voilà. Sur mon compte. Ah bah là, non. On a plus que ça. 12,50€ et 4 poissons. Non. C'est 5 millions d'euros non négociables. Ouais, mais c'est les poissons, on les a mangés hier soir quand même. Non, mais les poissons, vous pouvez les revendre 1 million. Ah oui, c'est vrai, on les a mangés hier soir. Mais ils sont récupérables dans mon ventre. Je m'en fous de votre poiscaille là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si vous le voulez. Ok, je suis d'accord. Mais monsieur, 5 millions. 5 millions, mais vous déconnez du ciboulot ou quoi? Mais non, j'ai mis de l'argent dedans, donc non. Déjà que ça mange. S'il faut en hypothèque nos deux maisons, on pourrait peut-être avoir 5000 euros. Bon alors, c'est oui ou c'est non? Ah, c'est non, monsieur, on n'a pas 5 millions. Donc c'est simple, vous reprenez votre camion, vous dételez et vous partez. Ah c'est bon, vous allez... Bon, je te laisse avec le camion, tu le dételles, moi j'y vais. Vous allez pas nous allez, faire revoir, chier, hein. On a le temps, alors on veut rigoler ou quoi? Bah Patrick, donc, tu fais quoi? Vous voulez pas partir? Bah on a le temps, allez. Ah, si, on peut partir. Hein. Mais comme si... Je comprends pas, d'ailleurs, si vous êtes même pas le vrai propriétaire, ça tombe. Bon, eh ben bougez pas, je reviens. Ouais, c'est ça, ma bite. Il est con ou quoi? Mais tu fais quoi? Et il est con, lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bougez pas, je reviens. Alors, soit Patrick, il va revenir et il va nous flinguer avec un fusil, soit... Attends, laisse-le passer. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, le mec s'en va. Alors, il faut... Non, tant mieux, on peut partir avec les véhicules. Ouais, mais faut aller vite, hein, parce que là, bon, quand généralement, un gars, il dit, ah, bougez pas, je reviens, c'est attends, soit qu'il va nous buter... Bon, du coup, vous restez à l'abri, le camion est bloqué, donc là, je sors, comme vous avez pu voir, je m'en vais. Je vais juste chercher la police et je reviens. Et pour être sûr que vous... Fermez la porte quand même, au cas où qu'on puisse... Voilà, je ferme la porte, y'a pas de problème. C'est parfait. Bon, du coup, au revoir, à tout à l'heure. Par contre, le code, c'est quoi? Je me rappelle jamais du code, c'est pas... Ah oui, 5005. Voilà, allez, au revoir. Au revoir, à tout à l'heure. T'avais forcé la porte à l'heure, pourquoi maintenant il y a un code? Bah 5005, surtout, oui, comment il peut oublier ce code 5005, oui, surtout c'est que... C'est un code basique. Bah 5005, c'est juste à de la verser en fait. Vas-y viens Patrick, on va tout charger. C'est hein. Un palindrome, c'est ça le nom, hein. On va tout charger hein, Patrick, tant qu'il est pas là et on se casse. Ok. Voilà. Tu peux mettre le tank là, bah ceux qui sont pas abîmés tu peux les mettre. Bah moi je mets celui que j'ai envie d'avoir hein. Vas-y, pas de soucis, bah, en fait tu viens de penser à ça. Eh, on est quand même gentil hein. Allez sincèrement, on lui demande pas grand chose, on peut mettre que deux tanks sur son truc. Ouais, mais ah pire, non, on même fait pas des allers-retours. Un tank. Bah non, un aller-retour, c'est bon, faut pas abuser non plus. Après il va y avoir les flics, il va y avoir. Ça tombe, il revient avec un fusil. Je sais pas moi, qui sait. Mais sinon on le mettra dans mon jardin, d'accord. Patrick, on aura pas de quoi prendre deux tanks hein, je crois. Ça ça va être tout juste à mon avis. Hein. Essaye de monter le plus haut possible. Oh là là, ça va être bien. Eh, même ça, je peux pas le mettre, Patrick. Ah, peut-être là si tu bouges. Oh, quoi. Attends. C'est le maximum. Eh, peut-être là si tu bouges pas. Tu crois que je peux mettre un on autre peut tank mettre ou pas au moins un véhicule. Ouais, mais. Un autre tank. Non. Ah, mais attends, avec les chenilles, on peut tourner avec. Ouais, alors. Bah, attends, bah regarde. Mais par contre, il faudrait mettre d'abord le camion dehors, sinon on pourra jamais passer. Oh non, on va pas les mettre au-dessus, non. Deux, non, c'est... Non, pas au-dessus, pas au-dessus. Non, mais deux, c'est déjà pas mal, regarde, mais ça. On prend ce véhicule là, il est nul. Mais il est bien, on moi je l'aime bien. Tank. Non, on prend un autre tank. Ok, bah bouge-toi alors. C'est lequel le deuxième que tu vas prendre? Bah celui qui est derrière, on n'a pas le choix. Ouais, mais t'as vu la hauteur, à mon avis, je suis obligé de sortir avant. Hein. Oui, bah tu sors, enfin je vais t'ouvrir la porte, tu sors et après. Vas-y. T'as pas oublié le code, hein, c'est 5005. Attends. Donc 50 06 05. T'as failli te tromper quand même. Oui.
C'est bon. Merci, c'est bon. Patrick. Attends, je me mets sur le côté. Vas-y, petit à petit. Hein. C'est bon, ça passe. Ça passe. Oh, ça passe. Ça va être tout juste. Hein. Ah, ça va être juste. Hein. Ah, ça va être tout juste. Hein. Ça passe. Ok. Je prends l'autre. Vas-y, je t'attends, je déplie les rampes ici. Voilà. C'est bon. C'est bon, on peut partir. Bah attends, hey, t'as vu le bateau qu'il y avait ou pas? Bah oui, mais c'est un bateau. Mais hey, franchement, je me dis peut-être qu'il y a des roues en dessous, non? Tu penses pas? Mais ah, c'est un bateau. Mais la logique des choses, Patrick, si t'as un bateau, c'est qu'il y a de l'eau à côté, on est d'accord. Jusque là, ça va. Pourquoi ils auraient mis un bateau ici s'il y a rien à côté? Tu comprends ce que je veux dire? Attends. On va essayer de remonter, là je vais prendre l'élan sur la camionnette. Bah oui, le stocker, il ramène comment à la grue? Ouais, ça se peut en fait. Ah oui, par exemple. Eh mais non, mais regarde. Et même, tout. Qu'est-ce que tu voudrais faire avec? Mais regarde tout ce qu'on peut mettre dessus. On peut tout sortir, oui, là, avec ce barrière. Comment tu veux le sortir? Attends. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Bon, allez, c'est parce qu'on est gentil, on va faire un peu de rangement pour le gars, tu sais. Voilà, on lui a déjà volé deux tanks. Non, là, on part. T'as pas envie de. Non? Non, on part. Attends, moi j'ai quand même envie de tester ce bateau. Non, mais. Oh. Par contre, là, faut qu'on y aille. Patrick, écoute ça! Non, mais on y va! T'as vu, c'est un réacteur d'avion le bordel! Mais on s'en fout, faut qu'on y aille! Mais frère, quand même, c'est parce un que avion! Eh, oh, mais il avance! Bon, hein. Regarde! Et comment tu veux le sortir? Ah, bah regarde, en avançant! Ah, bah non, en fait. Oui? Bah il avait un peu de puissance au bon, début. Allez, mais... c'est bon, étale-le, hey, on part! T'as vu, il a des réacteurs! Eh, mais c'est un sous-marin! Oh. Oui, bon, c'est bon, on s'en va! Oh, mais putain, mais. Toi, ta musée, ça n'existe pas, toi! Ça n'existe pas! Avec un bateau, quand on est entouré de grillages, comment tu veux sortir? C'est bon, vas-y viens, on reprend la porte. Faut pas traîner Patrick parce qu'il risque de vite arriver. Généralement je te dis quand un mec ouais. Il dit bouge pas je reviens, ça pue sa mère. Bon ce qu'on fait c'est que tu prends le camion, moi je veux prendre mon véhicule. Bah vas-y hein, de toute façon. Allez, j'y vais. Vas-y. Bon. Il est là. Mais il est là Patrick. Patrick. Monsieur on s'en va. Monsieur on s'en va, on s'en va. Non mais il est fou ce gars. On s'en va. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Ah, il s'enfoirait qu'il s'est barré avec sa caravane comme un lâche, tu vois. Oh là là, putain, mais j'espère qu'il a pas foutu les tanks en l'air parce que j'aimerais bien les revendre. Regarde-le, il trace, hein, il va même pas m'attendre. Hein. Il voit qu'on m'a tiré dessus et c'est vraiment un lâche, hein, ce gars. Putain, mais pourtant, pourquoi il a fait ça? Et lui, il nous a tiré dessus carrément. Eh, vas-y, par contre, qu'ils nous disent pas, ouais, je veux prévenir les flics ou quoi, hein, parce que là, c'est sa parole contre la mienne. Alors, oui, ok, j'ai volé des trucs. Mais attends, faut quand même pas exagérer. Hein. Je veux dire. Et d'ailleurs, attends, je vais appeler Patrick là, parce que lui, le coup qu'il vient de me faire là, ça va pas le faire. Allô? Ouais, Patrick. T'es pas un lâche, toi? Ça va? Je me suis. Mais comment c'est un lâche? Il avait un fusil? Ah bah oui, moi je peux crever. On se rejoint à la ferme. Ouais, mais par contre, ça, frère, ne fais plus jamais ça, hein. Eh, en fait, j'aurais pu mourir sur place tant que. Oui, alors ce que j'aurais dû faire, c'était rester aussi sur place et qu'on meurt tous les deux. Non, t'aurais dû te mettre devant moi, comme ça tu prends quelques balles et puis moi ah je. Ah oui, d'accord, non, mais d'accord, tu es comme oui, ça. Mais moi je te lâcherai pas, du coup après on s'en va, je te mets dans mon camion et on s'en va. Oui, une fois que je serai mort, quoi. Non, après on va vite faire à l'hôpital. Mais bref, j'ai réussi, il m'a pas touché et j'ai les tanks. Alors j'espère qu'il a pas abîmé les tanks parce que. Et de toute façon, qu'il peut aller porter plainte, hein. Parce que là, il nous a tiré dessus, donc c'est sa parole contre la nôtre. On a quand même perdu des buggy dans l'histoire. C'est pas grave, ce sera son lot de compensation. On lui a volé deux tanks, on lui rend des buggy. Bon, voilà. Ça, oui, mais il y avait pas les plaques sur les buggy dans tous les cas. Parce que sinon, il peut nous retrouver. Non, je crois pas. Je crois pas. Bah, on fera une garde, hein. Tu dormiras pas les yeux fermés, hein, je te dis ça. Ok, on revend les tanks et on déménage autre part. On change de pays. C'est ça.